Les francopholies en chiffres. 1989, les trois pères fondateurs lancent la première édition montréalaise des francopholies. 5000 spectateurs assisteront alors aux 24 spectacles présentés. Mais les francos, c'est aussi 60 groupies quarantenaires qui s'époumonnent à la sortie du concert Retrouvailles des bébés en 2008. 13 appels infructueux à tenter de convaincre Étienne Dao de venir à Montréal. Heureusement, le 14e fut le bon. 9 personnes qui s'évanouissent de joie lors des concerts de M au Métropolis et une guitare balancée dans la foule par un membre de Malajube. Aujourd'hui, les francos, c'est près de 1 million de spectateurs qui profitent des 230 spectacles offerts chaque été. 25 années de douce folie.